Alors, gloire à Jésus chez vous aussi. Voilà, et nous commençons ce programme. Et nous voudrions vous saluer chaleureusement. Euh, savoir que vous nous écoutez. Euh, vous êtes habitué, c'est tellement à nous, le pasteur Paul, pour communiquer ce message avec l'interprétation en anglo de notre chantal. Nos techniciens vous saluent également chaleureusement. Eh bien, merci de nous accorder juste quelques minutes pour suivre ce message.

Euh, on est au Bénin. Nous allons continuer ce que nous avons commencé pour ceux-là qui sont habitués à nos messages. Et le thème qu'on avait commencé, c'était comment prier pour être exaucé. Hmm. Comment prier pour être exaucé? Ça veut dire qu'on peut prier et ne pas être exaucé. Et là, généralement, on est frustré lorsqu'on prie et rien ne se passe. Vous êtes préoccupé d'obtenir quelque chose et vous savez qu'on euh, on peut prier et l'obtenir peut-être. Mais vous essayez tout, ça ne marche pas. Mais vraiment, ça ne marche pas. On est découragé, on est frustré.

Nous allons prier, demander que l'Esprit euh, de Dieu nous dirige afin de communiquer la réponse à cette question comment prier pour être exaucé. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, assurément, est la meilleure personne à donner ce message. Nous prions donc notre Dieu, notre Père, nous voudrons te dire merci une fois encore pour. La grâce que tu nous donnes de tenir ce micro de ta part, nous ne te voyons pas, nous sommes des enfants, mais nous croyons que tu nous as fait confiance et tu as remis ton micro entre nos mains, ma soeur et moi, afin que nous nous adressions à ceux-là qui nous entendent. Et nous voulons aborder cette question-là, comment prier pour être exaucé. Et tu es la seule personne, par ton Esprit Saint, à être capable de répondre à cette question-là. Nous pourrions parler sans prier. Mais nous voulons une réponse de toi-même. Et pour la voix, nous croyons qu'il faudrait prier encore demain. Nous prions donc, quand tu nous donnes la réponse à cette question, comment prier pour être exaucé Dis-nous ce qu'il faut faire dans le nom de Jésus. Amen. Parle à chacun de nous, à ceux-là qui nous écoutent, qui nous voient et parle à nous-mêmes, que ce message soit très fort avec des exemples des hist de petites histoires pertinentes, euh, des témoignages forts, des illustrations assez sages et profondes pour étayer ce message, pour que chaque fois que nous allons l'écouter ou quelqu'un l'écoutera, il expérimente une délivrance. Et il est la clé ou les clés pour prier, à avoir les réponses à sa prière et qu'il expérimente le salut, la restauration, que tous ceux qui entendent ce message, à quelques mois que ce soit de leur vie, soient bénis par ce message. Amen. Tout ce que l'ennemi aurait fait pour nous embrouiller, nous confondre ou nous empêcher d'atteindre tes buts échoue dans le nom de Jésus. Amen. Merci Père parce que tu le fais au-delà même de nos prières, parce que nous avons seulement prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien voilà, chers amis, nous venons de prier. Alors ça, c'est un exemple. Et comment faire pour que Dieu nous exauce Pendant que nous avons prié tout à l'heure là, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que Dieu nous exauce Nous avons montré dans le, euh, le message précédent, si vous nous vous suivez, souvent qu'il faut être approuvé de Dieu. Et pour cela, nous avions lu l'évangile de Jésus selon Jean, Jean chapitre 11, verset 39 à 44, ou 38 à 44, c'est approximativement pareil. Jean chapitre 11, 39 à 44, où Jésus a ressuscité Lazare. Quand on dit « alors, le test n'est pas long, nous allons encore lire ça. Jean chapitre 11, verset 39 à 44. Jean 11, 39 à 44. Jésus dit ôtez la pierre. Mathe, la soeur du mort, lui dit Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit Mmh. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, mmh. tu verras la gloire de Dieu mmh. Ils ôtaient donc la pierre. Mmh. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, mmh. Père, mmh. je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mmh. Pour moi, mmh. je savais que tu m'exauces toujours. Mmh. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure mmh. afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mmh. Ayant dit cela, mmh. il cria d'une voix forte. Mmh. Lazare sort mm. et le mort sortit mm. les pieds et les mains liés de bandes mm. et le visage enveloppé d'un linge mm. Jésus leur dit mm. déliez-le mm. et laissez-le aller Amen. Amen. Amen alors ça c'est un exemple extraordinaire d'exhaustion de prière quelqu'un était mort Mais des coups, et celui-là apparemment était un jeune il me dit euh, Jésus était ami à ce jeune homme qui était mort, ami également à toute la famille dont il était membre. Et on n'a pas lu ces versets précédents-là qui montrent que même Jésus a pleuré quand on l'a amené voir euh, le lieu où Lazare était enterré. Il avait, il est, il avait frémi. Euh, d'émotion et il avait pleuré, ce qui montrait qu'il l'aimait tellement, tellement ce jeune homme, Lazare, qui était mort. Et la vie montre que quand Jésus est arrivé, bon, il a demandé qu'on enlève la pierre qui fermait le sépulcre. Les gens, les femmes surtout, ont on cherchait à argumenter. Ça fait quatre jours qu'il est là, il sent déjà etc. Jésus a dit, je t'ai dit, je vous ai dit si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et puis après, il a juste prononcé une parole. Lazare sort. Deux mots. Lazare sort et le cadavre de quatre jours qui sentait est revenu à la vie. Ça, c'est un exaucement de prière palpable, instantané, puissant, historique. yɛdɔ jésù ɖe dza fi la donna edzeyɔdolɔto edɔn tɛ yɛni hu zanu de to yɔdolɔtsi yɛni de za nolɔ sɛ bɔn yɛ e de sɛ abɔ kpɔ kpɔm e kana de sɛ nyɔnu la de to flɛn yɛ e du dɔn aa o to wɔnu mua <muchas> azã inedi egbɔn wa o to yɔdolɔmɛ o to wɔnu bɔn jésù dɔ yɛ ni de sɛ mi ma don a nɔ ni ye yi se na mu kigo di weyɛ wui tɔn a dzi bɔn ɛdɛ e dɔgbɔn ko to y�

Mais nous avons vu dans le texte que Jésus a levé les yeux vers le ciel. Et là, euh, à partir du verset 41. Ils ont donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Ainsi de suite, Jésus a levé les yeux vers le ciel.

Quel a été le secret de Jésus? Nous avons montré dans notre message antérieur que Dieu l'a approuvé. Jésus était approuvé de Dieu. Nous n'allons pas revenir sur, euh, sur cette communication, ce message-là. Vous pouvez l'avoir si vous êtes habitué à nos messages. Nous allons simplement enchaîner en restant un peu dans le texte, en sortant également un peu pour aller voir d'autres références bibliques pour étayer ce message. La deuxième chose dont nous pourrions parler, c'est que Jésus savait que Dieu voulait l'exaucer. Dieu était prêt à l'exaucer. Il n'est pas venu avec doute. Il ne s'est pas présenté devant le cadavre en se demandant, est-ce que ça va se passer, ça va se passer, c'est un cadavre, bon, si, c'était pendant qu'il était malade, Dieu, c'était Non, Jésus était convaincu que Dieu allait l'exaucer. Lorsque nous voulons prier, nous devons être convaincus que Dieu veut exaucer. jesu mm. mii mm. mido yaa do afɔ didi titan wòle nu edro yenni ko de bɔ dɛmɛ tɔ na yin sise wa yin do yenni gbɛ kpagbɛ mɛ mm. kpagbɛ na sɔn dziwɛ ya pete bɔ nua wetɔ de mi na do ko dedidiwa yin do dire dzɛsu nyɛ do dziwɛ ya bɛ dro na se dɛmi tɔn ema wɔ fulaku kan bɛ do abɛ edi do abɛ tsi awɔ kana dro na se dɛlo dika abe ema dro na se bɛ dro yɛ yɔ wòle nu mi to didi dɛmi tɔ ni sise mi do na wa to ayi hami to kan de dzi mi do dziwɛ ya bɛ Si vous voulez, vous voulez prier, être exaucé, croyez que Dieu veut vous exaucer. Si vous ne pouvez pas croire que Dieu veut vous exaucer, ou va vous exaucer. Alors pourquoi est-ce que vous allez prier On ne prie pas pour voir, on ne prie pas à laisser. Je ne peux pas prier pour voir. Bon, je vais prier voir. Je ne sais pas si Dieu va dire. Être... Mais prions quand même voir. Ça, ça c'est le doute. Ça c'est l'incertitude. Quand est on ne prie pas l'essai. On ne prie pas pour voir. On prie avec conviction en sachant que Dieu est quelqu'un qui exauce les prières. Et lorsque nous sommes son enfant, son fils ou sa fille, il veut toujours exaucer. Regardez un peu la démarche. Nous avons montré, premièrement, il faudrait être approuvé. Jésus était approuvé de Dieu. Et dès lors qu'il est approuvé, il sait que Dieu va exaucer. Ça me rappelle l'histoire aussi des enfants de Dieu dans l'Ancien Testament. Euh, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. C'est ça, ça, on lit dans Daniel chapitre 2. Quand nous voyons Daniel chapitre 2, ça c'est dans l'Ancien Testament. Daniel chapitre 2, nous voyons l'histoire. De ces gens-là, Daniel et ses compagnons, qui avaient un défi. Vous voyez et On allait tuer parce que le roi Democalaisan avait fait un rêve et il voulait l'explication. Il voulait qu'on lui rappelle d'abord le rêve qu'il a fait et qu'on lui en donne l'explication. Personne ne pourrait le faire parce que <laughs> c'est lui seul qui a fait son rêve sur sa couche. Il a oublié le matin et il demandait que d'autres personnes lui rappellent. Le rêve que lui, il a fait seul. Et ceux à qui il s'adressait n'ont même pas dormi dans la même chambre que lui. <laughs> et s'il l'avait fait, il n'aurait même pas su le rêve qu'il aurait fait parce que le rêve est interne dans le sommeil. Maintenant, cet homme de Nemucaleza, demande que les gens qui sont sur sa cour royale, dans sa cour royale qu'il a recruté pour le servir, lui rappellent le rêve qu'il a fait et qu'il lui en donne l'explication. C'est impossible. Oh, o nuroku la nu mɔkɔtɔn miin akɔ akpadzra de votu alɛnu xoxo oh, me to daniel kpó ogbɛɛ tɔn lɛ kposi tàmi tó wo daniel tɔn tà wuime wué nɛmɛwɛ da euh, nébukadnéza xɔlu babiloni tɔn tó hué nɛnu édá amlɔɛ tɔn wowɔdoko nɔn tó zɛntɔn dzi.

et qui assistaient le roi pour lui donner des conseils. Euh, ils sont des sages, ils sont des gens euh, intelligents. Alors, eux autres, les Daniels, ils ont dit Mais euh, le roi veut nous tuer parce que c'est moi qui le commente ainsi, l'histoire est dans Daniel chapitre 2. Euh, euh, Est-ce que le roi peut nous donner un peu de temps et nous allons faire quelque chose Et voilà. C'est quoi ce quelque chose qu'ils allaient faire les derniers savaient que si jamais on leur donne le temps de prier, Dieu allait leur révéler le rêve du roi. Ça veut dire qu'ils étaient sûrs que si seulement ils priaient, Dieu allait les exaucer. La deuxième chose, donc, pour euh, recevoir les soins de prière, c'est d'être sûr que lorsqu'on veut s'adresser à Dieu, Dieu est disponible pour nous exaucer. ɔ daniel lɛ dee <inaudible> ahɔlu edo ba mɛ na drɔlɔ ne bosɔ futumɔ ne be ema mɔ etɔ edo mɛ ni nunyo etɔbo to agba eme tɔ sa bo to nɔ se eme lɔlɛ bo nɔ naho eme blɔ kɔkɔ ne eme lɔlɛ eme na wo me kpɔ bɔn mɛ ene lɔ kama edze daniel kpɔ gbɛɛ tɔn ɛkpɔ didi bɔn daniel wa do gbodo ayɛnɛmi direkpe de na aye nunyɛrɛni do gana ye direbɔ ena ba ye nu okpɔwɔ nu edze abayɛlɛwɔnyi de yẹna ko dẹbɛɛ gbẹna yẹn direbɛɛ ko dẹ yẹn dɔ ká ɛdẹyẹrɛ diwọ yabu na se dɛyẹtɔ bo na hun drɔlɔ hiɛ a yi bosɔ na etumɔ yɛtɔ bɔ mi yɛto didɔyɛ afɔ didi awuɛ tɔ de di mi to ho dodo nimikpɔ dade lɛ yɛdɔ ka ɛdẹyẹrɛ dirɔ na yẹgbɛ ko dɛ drɔwɛ na sɛ drawe. Écoutons ce qu'il a dit, Daniel. En lisant Daniel, chapitre 2, après verset 16. Nous coupons, nous coupons une portion pour que ça soit directement pertinent. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Chers amis, écoutez. Le roi a fait un rêve. Il a oublié le rêve. Et devant des gens, de lui rappeler le rêve qu'il a fait. Et maintenant, Daniel, pendant qu'ils étaient menacés d'être tués, si jamais ils ne rappelaient pas au roi le, roi, le, le rêve qu'il a fait, Daniel ose aller dire au roi, donne-nous du temps et... Nous allons te donner l'explication. Ça veut dire, entre-temps, nous allons te dire le rêve que tu as fait. Quelle confiance, quelle certitude. Ils sont tranquilles dans leur cœur parce qu'ils savent que si jamais ils prient, Dieu allait les exaucer. Si jamais ils prient, Dieu allait répondre. Si jamais ils prient, Dieu allait entendre. Ils sont approuvés de Dieu, mais ils savent également que Dieu va les exaucer. Eh, mais beaucoup, nous, on de akɔloku drɔ yɛ dɔmo boŋu drɔ yɛ tán boko aadɔ amɛlɛ yìnyin dɔ nɛmi bɔ daniel wa gbɔ àdɔ mɛlɛ pépé ma alɔgbɛ gbobodilɔ bɔ daniel wa gbɔ àdɔmɛmɔ akɔlokɔ nisaa nɛmi direkpe de n'i yɛn nɛmi direkpe de mi na dɔ drɔlɔnɛ bosɔn tumɔ drɔlɔnɛ miku atɔ k'i bɔ miku kan de dìde mɛ nilɛ do na yɛ nyɔnua n'i yɛ gbagan fò dɛ jɔy Euh, et que vous avez l'approbation de Dieu. Avoir l'approbation de Dieu, ça veut dire vous êtes enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ qu'on devient enfant de Dieu. Voilà, Jésus est celui par qui nous devenons enfant de Dieu. Ce n'est pas du tout compliqué. Il a dit lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, Jean 14, verset 6, il dit Je suis le chemin, le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, le chemin amène quelque part. Il dit, c'est par moi qu'on voit Dieu. Et c'est ça qui fait que nous disons que c'est par Jésus que nous devenons enfants de Dieu, que Dieu nous intègre à sa famille. Et vous demandez à Jésus de rentrer dans votre vie. Demandez à Jésus de s'établir dans votre cœur. Simplement, comme comme le disons là. Et à partir de ce moment-là, vous êtes enfants de Dieu et Dieu est votre Père. Vous parlez et vous êtes au sera. Jésus était enfant de Dieu, c'est pourquoi il était approuvé de Dieu. La deuxième chose, donc...

aliokpo gbɛkpo aliwọnɔklamɛ yi fidewɛ wọn sɔn minɛw dɔ dɔ ɛɛ dzesu dewɛ dzesu dziwɛ yinɔ gbɔndonó mɔ dziwɛ yiwɔ sota sɔŋ dɔmɔtó owóe fɔlɔ mɛ dɔmi nilè dewɛ nɔ midziwɛ yinɔ gbɔndonó yi dziwɛ yi yàgò dé bɔn ní maaw yi dzesu ló gbésã mi tɔmɛ mí vɛ mí lɔ bí mi hùn ayi hà mi tɔna dzesu gbódò ní bí o gbésã mi tɔmɛ Le verset 19 de Daniel 2, toujours verset 19, il dit, alors le secret Alléluia. fut révélé à Daniel mmh. dans une vision mmh. pendant la nuit. Ah, ah, votre sommeil est fait de quoi <laughs> ouais. Et les gens dorment et Dieu leur parle dans la nuit. Mmh. Vous imaginez parce que un ils sont approuvés de Dieu et deux ils savent que Dieu va leur parler mmh. la nuit ou le jour ici mmh. c'est à nous Dieu leur a parlé qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu leur a révélé exactement le rêve que Dieu a fait sur sa couche pendant que les derniers n'étaient pas là pourquoi Daniel que

pour appliquer ce message nous croyons à ça nous nous ne sommes pas en train de vous communiquer une, 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 du bavardage une parole théorique euh, Dieu est dans, sa, dans sa grâce nous euh, nous quand nous prions et voici l'expérience nous allons prier pour vous et cette nuit, vous allez faire un rêve. Ah, vous pouvez rire au pasteur, c'est comme ça que ça se passe. Mais bien sûr, Daniel n'était pas sur le lit de, de Bukhareza, le roi. Et pourtant, <'en> il a pu avoir le rêve, il a pu avoir la révélation du rêve que le roi a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru que Dieu allait exaucer ses prières. Il a prié. Et Dieu a exaucé ses prières. Et nous aussi, nous sommes ici maintenant. Nous ne connaissons même pas là où vous êtes. Parce où est-ce que est vous ville? dormez? Dans quelle ville vous êtes? Donc, nous ne pouvons pas être dans le même lit que vous. Mais nous, nous sommes comme Daniel. Daniel. Nous sommes approuvés de Dieu. Parce, Parce que nous, nous sommes ses enfants. Et nous savons que Dieu va nous exaucer. Lorsque nous allons prier, Et à vous de recevoir cette prière.

Nous prions donc pour vous. Notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu de vérité. De vérité. Parmi ceux-là qui nous écoutent, -ce le, ceux qui nous voient, il est possible qu'il y en ait qui ne croient pas à ce que nous prêchons. Il y en a peut-être qui ne croient pas à ton existence. Et pour y en avoir qui prient mais ils n'ont jamais eu des ossements. Nous sommes en train de parler de comment prier très aussi. Nous avons montrer que la première chose, c'est d'être approuvé de toi et la deuxième chose, c'est de savoir que tu vas exaucer les prières. Et à partir de l'exemple de Daniel, nous voulons conduire nos auditeurs, ceux-là qui nous regardent dans une expérience pratique.

Nous ne les connaissons pas. Nous ne les voyons même pas. Toi tu les connais. Toi tu les vois. Nous prions à l'instant même. Pendant que tu les regardes. Avant qu'ils ne dorment. Pendant que les, tu les distingues. Nous prions que tu les visites la nuit. Pas un rêve pertinent. Un rêve réel. Un rêve utile. Un rêve qui aura un sens pour eux. Pas des cauchemars. Les cauchemars ne viennent pas de toi. Les cauchemars viennent de l'ennemi du diable. Nous prions Père. Comme tu l'as fait à Daniel. Et tu as révélé le rêve du roi. Alors que Daniel n'était pas dans le lit avec le roi. Fais quelque chose dans la vie de quelqu'un qui nous écoute à l'instant même. Pour relancer sa foi. Pour le supprendre. Pour te révéler à lui. Pour lui montrer que tu as aussi les prier. Au départ, nous ont prié pour que tu nous diriges. Ils bueno. avons demandé que ton esprit sache à la question de savoir comment prier pour être désocé. Nous, nous, nous ont ]ーん. montré que tu es le seul capable, le seul qualifié à communiquer un message comme celui-ci. Et voici une expérience. Nous croyons que c'est la meilleure manière d'amener quelqu'un à comprendre comment on peut exaucer, Dieu peut exaucer les prières donne à quelqu'un un rêve. Que quelqu'un qui vous écoute maintenant reçoive ce message et expérimente un rêve dans son sommeil. Aujourd'hui même, Amen. pour lui montrer que Dieu exauce les prières. Un rêve espérantaire de la réponse à une question qu'il aurait dans son cœur pendant longtemps. Un rêve qui serait euh, 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 ce que tu fais pour lui montrer que tu l'aimes. Ou pour lui montrer que tu l'entends et que tu l'exhaustes. Merci de nous exaucer. Au-delà au de nos prières, au nom de, de Jésus Christ, ton fils, seulement nous avons prié. Amen. Alors, chers amis, croyez à ça. Dieu nous a exaucés. Ce que nous venons de dire, nous ça nous se passera nous nous croyons à ça et lorsque cela se passera partagez le témoin avec des gens autour de vous que vous avez écouté un message simple comme ça là, dans, dans lequel nous avons, on a fait une expérience et ainsi continuer à prier et avoir la conviction que Dieu va vous exaucer donc Dieu nous exauce non seulement parce qu'il nous approuve mais

alors, qu'est-ce que nous faisons encore pour que Dieu nous exauce Pour que Dieu nous exauce, il faudrait que nous prions avec sa parole. Nous prions avec la parole de Dieu. Et là, nous pourrions aller lire dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Verset 10 à 11. Esaïe 55, 10 à 11. Nous allons demander à notre chanteur de nous lire ça. Esaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, elles ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la, de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de, de ma parole qui sort de ma bouche. Mm -hmm. Elle ne retourne point à moi sans effet, mm. sans, avoir mm. mm. Alors, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, lui, cette dernière partie-là, sans avoir exécuté ma volonté retourne point, et accompli mes desseins. Elle ne retourne point à moi sans effet, mm. sans avoir exécuté ma volonté mm. et accompli mes desseins.

Alors, si l'Esprit de Dieu est dans la parole de Dieu, ça veut dire que la vie est dans la parole de Dieu. Vous vivez parce que l'Esprit de vie est en vous. Ça, c'est l'Esprit naturel. Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'homme était inerte. Quand Dieu l'a formé à partir de la poussière, il faut la vie en lui. Et la Bible dit que Dieu a insufflé dans la narine de l'homme le souffle de vie. Et c'est là où l'homme est devenu vivant. Ce souffle-là, c'est une partie de Dieu. Dieu est un Dieu de vie. Et ce souffle-là est l'esprit de vie que Dieu a mis en l'homme et qui fait de l'homme un être vivant. Ouais. C'est pourquoi je parle maintenant. C'est pourquoi je peux sauter. Parce que cet esprit de vie en il moi. Il est en tout le monde. Tous les hommes. Toutes les femmes. Même s'ils ne sont pas chrétiens. Ça, c'est la vie naturelle que Dieu a donnée à l'origine. Dans, Dans Genèse, le jour où on meurt, cet esprit-là disparaît. C'est quand ce souffle-là part que l'homme cesse de vivre. Maintenant, cet esprit-là, dans sa forme pure, est toujours en Dieu. Et cet esprit est Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, quand Dieu parle, l'esprit qui est en Dieu, qui est Dieu lui-même, là, est dans sa parole. De manière que la parole vit, la parole respire, la parole vit, la parole de Dieu vit, la parole de Dieu a une vie en elle et cette vie vient de l'Esprit de Dieu qui est en elle. Quand donc Dieu parle... Cette parole qui sort là, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une vie. Et ça ne peut que produire de fruits. Alors, c'est pourquoi Isaïe dit quand la parole de Dieu sort, la vie qui est dans cette parole-là va se manifester en termes de fruits

Dans cette phrase, Lazare sort. Les deux mots Lazare. C'est la Laza Parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Dans cette parole-là. Dans cette phrase-là. Qui est la Parole de Jésus? Qui est la Parole de Dieu? Qui est la Parole de Vie? Quand cette parole est lancée dans le cadavre de Lazare. Cette parole est lancée dans le corps de Z le Lazare avec la vie qui était en elle. Mm. Et la vie qui était en elle là devait se manifester au mm. travers de la phrase. Mm. Lazare sort là doit se manifester parce que la vie qui doit manifester mm. Lazare sort est dans la ah phrase Lazare sort.

Alors, quand nous nous parlons, si moi je dis sur le canal de Lazare, n y n y lazare, si, si, dit, lazare sort, lazare si ton. et que Lazare ne revient pas à la vie, bon, si ça veut dire que la vie n'est pas dans la parole que français, là. Eh ben, donc, ben, et ça n'a joué aucun rôle sur le canal de Lazare. Ce n'est pas le cas de Jésus. Parce que directement, ce qui sort de l'amour de Jésus nous, 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 Jesus, nous, vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, cest la, la, la parole de Dieu, contient l'esprit de Dieu. Oh, recevez ce message dans votre <tousse> Recevez ce message ce matin. <tousse> ne sens pas à quelle heure vous êtes en train de l'écouter. <tousse> La part qui sort de Dieu contient l'esprit de Dieu. De Dieu. Et l'esprit de Dieu est un esprit de vie. Et nous avons pris l'exemple de Lazare sort. Quoi que c'est au verset 42. Au verset 43, 43. Verset 43. Jésus a parlé. Il a ouvert la bouche. Et il a dit Lazare C'est la parole de Dieu. C'est une parole. Lazare sort. Dans ce Lazare sort. Qui est la parole de Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est dedans. L'Esprit de, de Dieu est dans toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vie. Et en tant qu'esprit de vie, ça produit de fruits. C'est pourquoi Isaïe a dit, de la part de Dieu, ce que Dieu dit, ça produit tout de fruits parce qu'il y a la vie dedans. Donc lorsque nous voulons prier, si nous ne faisons pas confiance à nous-mêmes, à ah, savoir que bon, peut-être si je parle moi-même, ça ne donnera rien. Peut-être que la vie ne sera pas dans ma parole. Peut-être que l'esprit de vie, l'esprit de Dieu ne sera pas dans ma parole. Je peux être intelligent et aller chercher la parole de Dieu. Parce que dans toute parole de Dieu se trouve l'esprit de Dieu. Je vais prendre une parole de Dieu, sachant que ça contient l'esprit de Dieu. Et je vais sortir, je vais prendre ça et sortir ça de ma bouche. Maintenant. Où est-ce que je trouve la parole de Dieu Je vais tirer ça de la Bible. Je prends un autre exemple. Je crois que c'est le secret de Pierre quand il a marché sur l'eau. Dans Matthieu chapitre 14. Dans Matthieu chapitre 14. Dans Matthieu, chapitre 14. Ouais, nous pouvons voir au verset 29. Jésus a dit à Pierre Viens. Matthieu 14. Matthieu nous allons demander à notre chantal de vérifier ça. Euh, Matthieu 14, verset 29. Oui. Et il dit, viens. Oui. Oui. Puis elle sortit de la barque oui. et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voilà. Qui a dit, viens. C'est Jésus qui a dit ça. Jésus qui a parlé sur le cas de Lazare en disant, Lazare sort.

On ne marche pas sur l'eau. Vous avez dû déjà entendre ce message de notre ah. bouche au moins une fois. Parce que nous commentons tellement ces passages de la Bible. On peut naviguer sur l'eau. On peut nager dans l'eau. On peut marcher dans l'eau. Lorsqu'elle n'est pas très profonde. Mais marcher sur l'eau, ce n'est pas possible. On va s'enfoncer. Pierre Jésus sur l'eau. a vu Jésus marcher sur l'eau. Il était là-bas avec ses, avec ses collègues. Pendant que eux, ils étaient menacés de naufrage. Et il a dit... Pardon. Il a dit à Jésus. Ben il, a, il a finalement réalisé que c'est Jésus qui mangeait sur lui et qui venait. Il dit Si c'est toi, dis-moi de venir. Il veut que Jésus parle. Parce qu'il sait que ce qu'il va dire, là. l'Esprit de Dieu sera dedans. Si vous voulez, il a prié. Quand il a pris, Jésus a parlé. L'esprit de Dieu était dans la parole que Jésus a prononcée. Jésus lui a dit, viens. Dans ce vient-là, se trouvait l'esprit de Dieu. Et le vient-là devait se manifester parce que l'esprit de Dieu représentait la vie dans le vient.

Qu'est-ce qui va le manifester C'est l'Esprit de Dieu qui est dans le vient là. L'Esprit de Dieu qui est l'Esprit qui va donner la vie à cette phrase là. C'est ça qui est dans le vient. Et c'est ça qui va manifester le vient. Et c'est la raison pour laquelle. Bien il, a cru à ça. il est sorti là-bas. Il a quand même pas marché sur l'eau. Qu'est-ce qui soutenait? Pieds. Parce qu'il devait s'enfoncer. L'Esprit de Dieu qui était dans vient. Soutenait ses pieds. Parce que l'Esprit de Dieu était dans ce que Jésus a dit. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas être stérile. Alors, à quoi est-ce que cela nous a-t-il utile dans ces choses Ça nous a utile à ce que quand nous prenons une parole de Dieu, nous mettons notre foi dedans et ce que la parole dit là, nous sommes convaincus que ça va se passer. Et quand nous voulons prier, nous confessons donc la parole, nous prenons la parole que Dieu a dite, sachant que son esprit est dedans, nous déclarons que ça va se passer et nous croyons que Dieu va exaucer ça, Dieu va approuver ça, Dieu n'eva fɛ y'a sɔn n'a komple sisan. ɛn nu wani a go alɔ miliyɔn dɔ mine a ɲɔn dɔ o de mi tura la ko de o tiyɔn do mi tiyɔn do se de mi tɔn miliyɔn na yẹsɛ o ko tiyɔn yɛ ko tɔn de me o pɛ tiyɔn yɛ tɔn te lɔ o minɛn ko gbɛmɔ nkɔtɔndɔ.

Qu'est-ce qu'il y a écrit quiconque demande, reçoit. quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'est la déclaration. Je veux prier. Je prends Matthieu 5, verset 8. Oui. Jésus a dit, quiconque demande, reçoit. La vie est dans cette phrase-là. L'esprit de Dieu est dans ce qu'il a dit. Là. Il y a la force qui est dans cette phrase-là pour, pour amener cette phrase à, être, à se réaliser. À savoir que si je suis quiconque là, si je demande, je recevrai. C'est l'esprit qui est dans cette phrase-là qui va activer ça et accomplir ça.

Et je dis à Dieu, il a écrit dans ta parole quiconque devant reçoit. Et ton esprit est dans cette parole. Et ton esprit est l'esprit de vie. Et ta parole ne peut pas être fausse. Tu ne peux pas mentir. Alors moi je prie maintenant donne-moi de prendre ce poste. Donne-moi de prendre ce poste. Je suis qualifié pour le prendre. Et Il y a trop de concurrents. Je n'ai pas une bonne recommandation de quelqu'un. Le président ne m'a pas recommandé, alors que le président ne peut pas recommander sa fille. Et sa fille. J'ai appris que sa fille aussi est concurrente.

La puissance de la prière. La possibilité de prier. Les derniers devaient être tués... Parce qu'il ne peut pas donner, rappeler au roi le, le rêve qu'il a fait. Mais Daniel a dit. Roi, pardon, donne du temps. Parce qu'ils ont une possibilité. Ils ont une autre ouverture. Il y a quelque chose d'autre qui est un privilège pour eux. Chers amis, la prière est un privilège. Mais il faut croire que Dieu vient exaucer les prières. Et il faut saisir sa parole et utiliser sa parole pour prier. Parce bah, que dans sa parole se trouve la vie qui donne l'action à ce qu'il a dit. Il y a Matthieu 16, verset, verset 8 dit Mathieu Mathieu "Quiconque aussi, ouais, demain reçoit." Ta a fo, ta a fo, a me bien ah bon, ok. Hmm. Alors moi je suis quiconque. <t> en> Vous entendez C'est même quiconque. Hein? <t 'en> Alors que moi je suis plus que quiconque, étant enfant de Dieu. <t> en> je prends ce verset. Je <t 'en> le <t 'en> confesse. <t 'en> Seigneur Jésus, tu as déclaré quiconque devant reçoit. Je demande ça là. Amen à, à le recevoir. Accomplis-le dans le nom de Jésus. Et quand je dis ça, là, puisque la vie est dans cette parole, je crois que Dieu va approuver ça. Dieu va accompagner ça. Dieu va exaucer ça. Maintenant, si je ne crois pas, j'annule tout. Et ça a été le cas de Pierre. Quand il a cru. Quand ce que Jésus a dit avant se passer, il, il s'est mis à marcher sur où? La foi permet à la parole de s'accomplir. Si vous voulez, avec l'histoire de la pluie concernant euh, Esaïe, qui a parlé de la pluie qui tombe et qui fait germer. Pour montrer que la part de Dieu s'accomplit toujours. Nous pouvons montrer que lorsque nous aussi nous prions là, la réalisation se trouve déjà dans la parole que nous citons. Mais il faut la combinaison avec notre foi. Il faut, il faut que cette parole-là qui doit se réaliser rencontre notre foi. Et c'est la fusion-là. Quand... Et c'est la fusion-là, la combinaison-là qui génère le miracle, bon. l'exaucement de nos prières. Nous avons le sol. mi mi iti do mi iti do ayi gbalo. et dans le sol y'a peut être des, des graines y'a peut être des semences. bɔtɔ ayi gbalo ji o kun l'a kote me. les semences ne peut rien produire d'elles même. o kun l'a la ma ka wu n'a ye de la mɔ la plus tombe sur yenn. dzi kun wɛ na janto yéeti. et la combination de ça la génère. bɔn o kun kpɔ dzi kun la kpɔ n'a wa didin. de fruits. sisin la yɛ o ce la gère sa sa gère mu. kɛnɛa wu. Et c'est ce que Isaïe a dit. Bon, nous, Esaïe a donné. Chers amis, nous avons fait beaucoup d'illustrations. Pour dire la même chose. Dieu exauce les prières. Il faudrait que nous le croyions. Quand, Quand nous, nous voulons prier, le croyant qui va exaucer. Ça va montrer que pour que nos prières soient exaucées, nous si devons être, être approuvés de Dieu. Être approuvé de Dieu. Et deuxièmement, savoir que Dieu va exaucer. Et troisièmement, prier avec la parole de Dieu. Parce que Dieu va veiller sur la de sa parole. Que Dieu vous bénisse euh, pour ce message auquel vous avez, vous avez prêté votre attention et qui vous aide à appliquer ce message et qui nous aide également à appliquer ce message. À la prochaine. Merci pour votre attention. Au revoir.